salut YouTube, donc on est le 12 décembre. La journée est déjà bien avancée puisque je reviens de la lecture de ma prochaine pièce de la prochaine pièce de théâtre que je vais jouer avec avec la troupe amateur dans laquelle je suis. Je t'avouais que j'avais complètement zappé. Je m'étais levée, je savais que j'avais quelque chose et j'ai zappé que c'était ma pièce de théâtre. La fille qui est au courant de sa vie, épisode 1. Épisode 512 même, tu vois, je suis jamais trop au courant de ma vie. Donc on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Et puis le frère va revenir de Bruxelles. Donc à mon avis, tu auras encore l'apparition du frère dans cette vidéo. Et demain, je vais probablement aller à Mons voir le BAM et la maison du design avec Nathanaël. Donc voilà. Que de bonnes choses au Numéro programme. 12, il est ici, avec une petite dame qui ouvre ses cadeaux. Oh, on a un savon au jasmin et à la bergamote. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Viens voir ta maman. Oh, j'aurai du mal à la voir. J'arrive pas. Ah, je vais tout faire tomber. Ouais, non. Donc, voilà, c'est toujours l'occitane en Provence. Donc, jasmin et bergamote. Là, je suis en train, donc cheveux de merde, bonjour, oui, hello, oui, c'est moi. Voilà, on est donc toujours le 12 décembre et je suis en train de filmer donc, ce qui va commencer à être le premier micro-trotteur. Je me dis que je vous mettrai celui du blocus que j'avais tourné l'année dernière. Malheureusement, voilà, il était très mal filmé. Et je suppose que les gens qui apparaissaient dans cette vidéo n'ont plus envie d'y apparaître. Puis voilà, elle n'était pas très très bien. Du coup, le blocus, c'est déprimant quand même, hein. Du coup, voilà. Je vais faire un micro-trotteur sur les couleurs afin de savoir comment les couleurs nous influencent. Regarde que c'est beau, c'est plein de couleurs. Voilà. Et donc du coup je vais commencer ça et à mon avis fin décembre la première vidéo du micro-trotteur sortira. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais interroger plein de gens sur leurs préférences colorimétriques, sur leurs préférences de couleurs on va dire. Voilà, n'utilisons pas des mots scientifiques quand on est bête, hein? Voilà. Donc je vais les interroger sur leurs préférences de couleurs, on va dire ça comme ça, c'est pas très français mais c'est pas grave. Et puis par la suite, je vais vous expliquer pourquoi telle personne a répondu ça et quelle influence a une telle couleur sur votre comportement. Si vous avez ça comme couleur préférée, qu'est-ce que ça veut dire sur vous, etc. Donc voilà, en même temps, ce sera psychologique, en même temps, on va rencontrer plein de personnes. Donc voilà, je suis en train de filmer ça là pour le moment. Ça se passera sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Lorana pour le moment, mais qui changera très probablement de nom. Si vous avez des idées de nom d'ailleurs, j'en cherche. Voilà, on ne sait jamais. Si YouTube, tu as une idée, mets-le-moi en commentaire. Le train là, c'est la SNCB, il tombe tout le temps, enfin il déraille. Enfin, pas que la SNCB déraille, mais voilà Ouais. quoi. À mon avis, il doit être souvent être en retard aussi ce train. Donc on attend des nouvelles du frère et en fait il répond, enfin il revient pas de BXL, on sait pas où il est. Et BXL c'est Bruxelles hein, pour toi qui débarque. Et en fait, ici à la télévision, ils viennent de dire les Pyrénées orientales. On dirait pas plutôt les Pyrénées orientaux. Enfin, c'est moi qui débloque, hein. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. On sait jamais. Peut-être que toi, YouTube, tu as une idée. Bon, on se retrouve ce soir. Ce soir, je vais faire une île flottante en petit dessert. Bon, j'espère que le frère va répondre, sinon il va rater ça. Frère, come, please. J'ai pas oublié par contre. La station de ski fonctionne, ami J'ai des piles. préparé C'est trop mignon. Ça, c'est juste là. Non, Voilà. Et au marché de Noël aussi. On a mis des piles. Donc il y a un petit commerçant et un petit bonhomme qui boit du vin chaud. C'est mignon. Good night. À demain.